Salut à tous mes chers amis geeks et geekettes et bienvenue pour cette petite vidéo d'information sur ce qui va se passer sur les chaînes YouTube All These Games TV et DrJ57 avec DRJ Games et DRJ Games Live, plus ce qui va se passer sur les chaînes Twitch DRJ Games Live et All These Games TV, All These Games TV Live. Donc voilà, on va voir un petit peu tout ça, je vais vous tenir au courant des nouveautés, de ce qui va y arriver, de tout ce qui va se passer. On commence par la fibre, eh oui, il était question que j'ai la fibre bientôt, ça allait venir. Et on a eu donc une réunion le 6 décembre concernant la fibre, et mauvaise pioche. Vous vous souvenez, je vous avais dit que Mario était en travaux, hein, il était question que ça soit... que la fibre soit mise en même temps que les travaux, et ils ont pris du retard, et du coup ça ne sera pas avant à peu près 4 à 6 mois. Voilà, je dois vous avouer que ça me prend un petit peu la tête, ça me fait un petit peu chier clairement, mais donc voilà. Par contre, bon, il n'y aura pas de délai au niveau d'attente une fois que la fibre sera branchée, hein, on aura tout de suite la fibre. Normalement il y a un petit délai pour les abonnements, tout ça, ça y aura pas, mais du coup il va falloir encore patienter. Donc on va devoir faire avec, toujours pareil, les logiciels et tout, pour essayer d'augmenter le débit et tenter d'avoir une meilleure connexion. Donc on va faire comme d'habitude. Quand ça marche, il y aura des lives. Quand ça marche pas, et ben, on va devoir faire autrement en attendant que la fibre arrive. Voilà, donc il va falloir encore patienter. Au sujet des lives justement, donc les lives, ils sont sur Twitch. Pour la chaîne DrJ57, DRJ Games Live, c'est sur Twitch, et les rediffusions sont sur YouTube. En ce qui concerne All These Games TV, à la base, je voulais faire les lives sur YouTube, uniquement. Mais ça pose problème. Voilà, j'avais fait un live sur Astéroïde et je n'ai jamais eu la rediffusion. Voilà, je l'avais fait sur YouTube et jamais eu la rediffusion. Du coup, les lives pour All These Games TV seront également sur Twitch, sur la chaîne All These Games TV. Voilà, il y a une chaîne All These Games TV sur Twitch, vous y allez, les lives seront dessus, et la rediffusion sera sur la chaîne YouTube. Voilà, j'aimerais faire un petit peu de live aussi de rétro gaming. Voilà, c'est moins gourmand que des jeux récents au niveau des débits, tout ça, donc ce sera peut-être un peu plus simple, on verra. Et donc, les lives se passent sur Twitch. Je voulais faire du multiplateforme en faisant YouTube et Twitch en même temps, voilà, pour que ce soit plus simple, pour moi, avec le débit que j'ai, je préfère rester sur Twitch pour les lives, YouTube pour les retours. Voilà, DRJ Games Live et All These Games TV. Le matériel, concernant le matériel, alors il y a deux, trois petites choses de nouveau, et enfin surtout des choses qui vont arriver avec Noël. Voilà, j'ai demandé au Père Noël. Voilà. Alors déjà, en premier, il y a ceci. Le Razer Kraken Tournament Edition avec le THX de la mort qui tue. Enfin voilà, un truc pas mal. Pour jouer au jeu, au FPS, tout ça, c'est beaucoup plus pratique. C'est beaucoup plus sympa, même Elite Dangerous, ça envoie du lourd. Donc ça, c'est la nouveauté. Ce qui devrait arriver, si j'étais suffisamment sage, pour Noël, c'est une webcam, la Chroma Kyo. Je crois que c'est ça, comme ça s'appelle, avec une petite LED dessus. Déjà, on aura une meilleure qualité que celle-ci, ça c'est clair. Et il y aura encore de l'éclairage en plus. Parce que ben, comme je fais beaucoup de live le soir et que j'ai un éclairage un peu pourri, on aura quelque chose d'un petit peu mieux. Voilà, et surtout une meilleure qualité, ce qui pourrait être sympathique. Ça arrivera donc après Noël, cette petite webcam. La carte d'acquisition, c'est pas pour tout de suite. Faut pas tout acheter non plus. Voilà, donc ça c'est les nouveautés matérielles. Bon, je joue aussi un nouvel écran, mais ça voilà, c'est un 144Hz, donc ça c'est sympa aussi pour les jeux. Donc c'est un peu plus gros au niveau... au niveau du setup, voilà. Bon, l'écran 54Hz est plus petit que l'autre. Voilà, je pensais qu'il était plus grand, mais non, je me suis fait avoir, il est un peu plus petit. Mais l'image, il est incurvé et l'image est quand même nette. Hein. Franchement, c'est excellent. Voilà, ensuite au sujet des jeux, eh bien, sur DRJ Games Live, on va continuer Far Cry 5. Il y a une autre vidéo qui va arriver bientôt sur Far Cry 5. Il faut que je fasse le montage. Moi, qu'elle soit déjà sur la chaîne au moment où je fais ça, mais voilà, il y a du Far Cry 5. Peut-être du Battlefront 2. Je suis en train de me le faire tout seul. Puis voilà, il faudra qu'on continue Big Time Nightmare. Il y a les DLC à faire. Il y a plein de jeux qui sont prévus sur DRJ Games Live. Et on fera au fur et à mesure que la fibre fonctionne. Sur All These Games TV, on va reparler de The House of the Dead avec The House of the Dead 2.
On va continuer Wing Commander 4, il va y avoir aussi pas mal de jeux. Je voulais faire une vidéo spéciale PlayStation, en plus on fête les 25 ans là ce mois-ci. Enfin, ça sera peut-être pas pour ce mois-ci, là j'aurai pas le temps, mais voilà. Une vidéo hardware PlayStation. Et j'aimerais parler, alors ça c'est tout nouveau, parfait des nouveautés qui arrivent comme ça. Voilà, ça tombe, du coup ben, on fait une vidéo, c'était pas prévu. New Super Mario Land sur Super Nintendo, hein, c'est un fan hein, qui a fait ce jeu. Ça reprend un petit peu les graphismes de New Super Mario, mais en version Super NES, donc c'est pas mal, franchement. Et c'est donc Super Mario Land en version avec des tout nouveaux graphismes et tout, et c'est plutôt sympa. J'ai beaucoup aimé, et ça j'ai dit faut qu'on le fasse. On va essayer de se le faire en entier, on va essayer de se le finir, voilà. Donc ce genre de choses qu'on pourra retrouver sur All These Games TV. Et puis évidemment, dès qu'on aura fini Wing Commander 4, on enchaînera sur Wing Commander Prophecy. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner aux chaînes YouTube DrJ57 et All These Games TV. Vous abonnez la petite cloche pour être au courant eh bien, de toutes les vidéos qui vont sortir. Dernière petite chose, j'avais oublié avant qu'on se quitte, il va y avoir un petit peu de remaniement sur la chaîne DrJ57. J'avais fait donc une émission qui s'appelait La vie de DrJ, mais voilà, j'ai pas le temps de continuer, malheureusement, parce que c'est déjà les vidéos gaming, ça me prend pas mal de temps, avec tout ce qui est à côté, la vie de famille, le travail, tout ça, je n'ai pas le temps d'en faire d'autres. Donc la playlist La vie de DrJ va être supprimée, et ça sera dans la playlist Autre. Une playlist Autre où je mets un petit peu tout ce qui concerne pas le gaming. Voilà. Il y a des chansons, il y a plein de trucs, voilà. Donc ça sera dans la playlist Autre. J'avais aussi une chaîne YouTube qui s'appelle, que c'était DrJ Vlog. C'est pareil, je voulais faire du contenu dessus, donner mon opinion sur plein de trucs, des choses comme ça. Je n'ai pas le temps. J'aimerais bien, j'aimerais beaucoup, mais j'ai pas le temps. Donc cette chaîne va être supprimée. Voilà. Il n'y a pas beaucoup d'abonnés, elle va être supprimée. Les vidéos qui sont dessus, alors je crois que la plupart, il y a beaucoup de vidéos qui étaient à la fois sur All This Game de DrJ et sur ce vlog. Et il y a une vidéo Bioman que j'ai fait sur le coffret Bioman sur le vlog. Celle-ci, en fait, je pense les remettre sur Facebook et sur Twitter. On va voir comment ça se passe, mais je pense que j'avais commencé à faire des petites vidéos comme ça sur Facebook. Donc je pense faire quelque chose comme ça, la chaîne sera supprimée et ça sera sur les réseaux sociaux. Voilà, du coup, vous pouvez aussi aller me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter, c'est toujours DrJ57. Les contenus qui sont plus sur YouTube, qui sont pas trop gaming, seront dessus. Voilà. Eh bien écoutez, c'est à peu près tout, hein. Ça fait déjà pas mal d'informations. On va démarrer 2020, hein, dans pas longtemps, avec les nouveautés que je viens de vous dire, du nouveau matériel, et j'espère qu'on finira quand même par avoir la fibre. Normalement, ça serait donc du coup en été. Voilà, bon, une fois que ça c'est fait, on sera tranquille. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je rappelle, n'oubliez pas, abonnez-vous, la petite cloche, etc. sur toutes les chaînes, Olds Games TV, DrJ, les réseaux sociaux, et tout. Je vais pas me répéter, parce que vous allez dire, putain, il incite à la consommation, DrJ, c'est tout. Voilà, merci à tous, je vous souhaite de très 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 bonnes fêtes de fin d'année, prenez soin de vous, bisous à tous, et puis n'oubliez pas, à très bientôt, pour d'autres aventures, et d'autres vidéos. Salut, ciao, ciao.